c'est pas très pro. Attention. Putain. Attention, silence. Pour voir les concurrents aujourd'hui alignés avec Raikkonen et Massa en position de tête. Fort heureusement, la pluie du matin s'est arrêtée. Tout à fait, je suis certain que tout le monde était content de la météo. En effet, on aurait pu assister à une fin de course de Jens Kalapas. Observez Massa, cette victoire est presque trop facile. Sachez que je vais tout battre, je vais battre Brandon Lay, je vais battre Wallen. Ah ouais, Wallen, Giggs, attention. Easy win. VTDR, c'est qui? Attention, Ivo qui s'installe avec ses grandes jambes. Alors Jeff, on va voir la GP3, ça fait quoi de voir Giuliano Alesi? Je sais pas, ça va être lent. Ça va être lent. Bah. Ah oui. Oh, la GP3 hein. Attention, ils viennent chercher Burgrid, terrible. Ou Lucas, au choix. Ah bah grave. Oh non, moi je suis YouTube. Oh non. Allez, moi je suis. Elle est pas. C'est le Honda le meilleur. Non. C'est le Honda qui plaît. Mais vérité que non, c'est le Mercedes gros. C'est le Honda qui fait le meilleur. Ah oui, oui, je te promets. Tu le vois passer à la chicane, le petit. Ah, tu vois, il racle la gorge, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est bon ça. Ah. Putain, mais voilà, mais tu sais que ça. Ouais. Rentre-toi, toi. Envoie un setup. Kimi. Et Kimi devant Vettel. Alors on peut le mettre à la retraite. Bonjour monsieur. Bonjour. Putain, on avait dit que personne pouvait se cracher au casque. Ouais bah là gros ouais. Et Ericsson là, ça titillait le mur. Le petit Ocon. Il y avait qui? Il y avait le petit Stroll, le petit Van Dorn, le petit Leclerc. Et puis d'un coup le Ericsson, Austin, on bossait et paf. Les Giggs, il fait du théâtre et tout, mais il s'est manié une caméra, tu vois. Bon, pas comme toi. Toi. Qu'est-ce que je sais pas manier? Frérot, à chaque fois qu'on se connecte pour le débrief, ta caméra, tu sais pas où elle est. Est-ce que c'est pas bien cadré là? Je suis pile dans le carré. Ah ouais. En même temps, hop, t'as le carré. Comme ça, toc, t'es pile au milieu. Clignote en plus là-bas. Oh mec, oh Lucas, il est à côté, il est à côté du mur du Mexique. Lucas va tenter de rentrer au Mexique, terrible. Vas-y, grimpe, allez. Grimpe Lucas, ta vie en dépend. Ça va, t'amuses bien, Mata. Hein? Inception Blog, deuxième version. Inception Blog. Il y a un mec qui fait une procédure de départ et qu'il y en a un qui arrive à pleine balle. Et bah, au moment où les mecs arrivent, l'autre il sort. Tu vois quoi? Ils peuvent pas. Putain, je suis obligé de le tenir à bout de bras, mec, j'en peux. Tu veux que fasse ton caméraman? On vient d'arriver, il est quelle heure? Mais pour toi, hein, il est 8h15. On est parti à 6h30 ce matin. C'était déjà bouché. Caluminiat, il est bloqué dans le trafic. Donc, du coup, il viendra peut-être pas pour le GP3. MDR pour sa course, c'est fini. Et en vrai, le parking et l'orga, c'est vraiment n'importe quoi. Ils ont. Là, on est le deuxième jour, on est le samedi. Normalement, ils devraient ouvrir les. Ils devaient ouvrir tous les parking à 6h30, donc tous les parkings entre guillemets étaient ouverts, mais en fait les gendarmes te renvoient vers n'importe quel parking et te renvoient vers les parkings pour les remplir. Et en fait bah ouais, mais bon, je dis la vérité mesdames et messieurs, je suis une grosse merde. Oh ouais, terrible. Et les mécaniciens sont bloqués, tout est bloqué, les pilotes sont bloqués, c'est l'horreur. Leur gars là pour le coup bah elle est à chier, hein. Malheureusement je pense que vous avez dû voir ça sur Motorsport. Je pense que
Hier quand on est parti à Marseille, c'était déjà la merde pour sortir, mais ça c'était normal. Mais quand on a vu comment tout le monde était en train de galérer pour essayer de rentrer au circuit, qu'ils sont même pas rentrés. Après évidemment hein, pour aller sur un Grand Prix, faut pas se lever à 11h, faire une grasse mat et venir hein, ça c'est sûr et certain. Mais derrière t'es obligé quand même de te lever un minimum tôt. Mais là les accès sont mal foutus, c'est n'importe quoi en vrai. Donc bon, c'est le gros point noir du week-end on va dire. Il joue sa vie, il va jouer sa vie. C'est pas dans le délicat, délicat. Non, c'est lui. Ah non, mais je filme. Et il connaît même pas qui c'est, c'est lui. C'est même pas qui l'a dédicacé. Ouais, j'arrive. On fait la démo. Il annonce le classement, alors sur les écrans, on voit pas bien, c'est rare. Terrible. Terrible. On est arrivé au parking Hydro, un petit commentaire. Gros, on dirait un joueur de NBA. Un petit commentaire sur le... de YouTube français, c'est ça. Le plus important, c'est les trois points. Ah, voilà, exactement. Alors, il est Hydro. Hein, je le dis. Hein. Ah, c'est le qui... Ah, terrible. Il est beaucoup trop tôt. 6h37. Ah, terrible. Ah, terribles images. Hydro, il vient de faire tomber sa bouteille, gros. Est-ce qu'il est associable? Ah bon? Il en peut.
Il est 20h28, c'est-à-dire que ça fait maintenant une heure, plus d'une heure qu'on est dans la voiture, qu'on n'a pas bougé d'un centimètre, c'est le bordel dans le parking. On s'est pris l'orage qu'on aurait kiffé voir pendant la course. Ouais. Et là, on est perdu. French Devil et Burgrit se sont perdus, ils n'arrivent pas à retrouver la voiture de Alban qui est à l'autre bout du circuit. Du coup, Hydro et Lucas sont partis à leur rescousse. Giggs est aussi en train d'essayer de les chercher. Bref, c'est le bordel monstrueux. Une orga au top, les gendarmes savent pas ce qu'il faut faire. Tout est bloqué, il y en a qui sont là dans leur voiture depuis 3 heures. C'est chiant parce que tu sais quoi, j'étais sur le circuit tout à l'heure et je disais, l'orga aujourd'hui elle est pas si mal. Mais non. S'il y a la foudre qui tombe sur un arbre et que l'arbre prend feu, mais on crève tous en on fait. On est mort. On crève tous. On crève tous. Parce qu'on et ça, mort. En termes de sécurité, je sais pas si quelqu'un y a pensé, mais je crois que personne y a pensé. Puisque l'été, généralement, c'est entre guillemets commun où ça arrive de temps en temps qu'il y ait des feux. Surtout en Provence, aussi, Alpes, ouais. Côte d'Arthur et surtout ouais, des orages. Donc, voilà, bon. Vas-y. Je l'appelle. Attends, on dirait que j'ai de l'acné comme ça et tout. Je l'ai mis en attente. Dégueulasse. Le circuit devait ouvrir à 8h30 alors que y avait déjà masse de monde. J'avais fait une story. Il y avait masse de monde qui était amassé au niveau des portes. C'est et ça. Du coup, ils ont ouvert le circuit beaucoup plus tôt pour laisser rentrer les gens et pour éviter que ça foute le bordel sur le parking. C'est ça. Donc là-dessus, c'était quand même pas trop mal, faut le reconnaître. Maintenant là. On est coincé de toute façon. En fait, on est pas aidé parce que je pense que t'as une partie des gens qui a voulu partir forcément à la fin du Grand Prix. C'est ça. Et en fait, l'orage, et je pense que l'orage, il a pas aidé du tout. Parce qu'il y a eu masse de gens qui sont partis d'un coup. Ah oui, non mais c'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Parce que ça fait. Alors. Tu me diras, ça fait 3 heures qu'ils sont coincés. Ça veut dire qu'ils sont partis à 17h30, donc avant même que le Grand Prix soit fini. Ouais, mais il y en a plein qui partent avant même que le Grand Prix se finisse pour justement éviter les embouteillages. Et en fait, malgré ça, vraisemblablement, il y en a qui partent genre une demi-heure avant la fin parce que c'est à peu près joué, on va dire, et que ils ont pas envie de passer 3 heures dans les embouteillages, perdu, tu vois. Et perdu.